Y'a que le travail qui paye, c'est la vraie vie, c'est pas la play. J'ai pas de pansement pour mes plaies, j'avance lentement, j'ai pas sucé. C'est des bons eux, j'suis pas si sûr. Le dire au revoir, j'ai pas pu faire, j'peux pas compter toutes mes blessures. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lasser. Ouais, équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo que je te dis. Bon bah je vais pas trop en foutre comme d'habitude, hein. Si on peut mettre un petit pouce bleu, et puis c'est parti directement, l'équipe. Bah qui part commencer une petite actualité de jeudi, on va parler de Mowgli qui a annoncé la sortie de son nouveau projet qui s'appelle Dans la Jungle 2 et c'est disponible pour le 28 juin, en gros à la fin du mois. Ensuite on a Nahir qui a annoncé son retour avec un nouveau clip qui s'appelle Automoto et c'est disponible demain vendredi à 16h. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Et il y a un freestyle qui est disponible sur Instagram que j'ai repartagé directement sur ma chaîne. Pour les personnes intéressées. Ensuite, il y a une personne qui a mis un message par rapport à Bardella et par rapport aux personnes qui ont voté pour lui, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui écoutent du rap qui ont voté pour le RN. Et on peut voir ben, qu'il y a une personne qui a dit « Pété de rire, ça vote Bardella, mais ton rappeur préféré, c'est Nekfeu. » Non, c'est fort. Et on peut voir qu'en gros, ben, il y a le compositeur de Nekfeu et du Senzu Record qui a répondu en disant « Nous, on baise l'extrême droite tous les jours. Trois petits points. Allez voter contre eux le 30 juin. C'est important. » Et c'est le message du compositeur de Nekfeu et du Senzu Record. En gros, il a réagi par rapport à ça. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Ensuite, l'équipe, ce soir à minuit, il y a le nouvel album de la crime qui s'appelle Vini Vidi Vici, qui sera disponible sur toutes les plateformes. Et hier soir, j'ai reçu une exclue de la part de Plata au Plomo. Et en gros, ben, c'était un bout du son entre Vakra et la crime. Et ouais, c'est vraiment une dinguerie. J'ai hâte que ben, son album soit disponible ce soir à minuit. Et que vous écoutez ce son. C'est un truc de ouf. Ensuite, on a Nahir Izzadourian qui a pris la parole par rapport ben, aux élections. Et en gros, ben, je rappelle que c'est une avocate. Et c'est une avocate de plusieurs rappeurs, tu vois. Il y a eu Nino, Leto et plusieurs rappeurs. Et là, en gros, ben, elle a pris la parole pour justement passer un message aux chanteurs, rappeurs, acteurs et humoristes. On peut voir qu'elle a dit. Mais ils sont où les chanteurs, les rappeurs, les acteurs et les humoristes? Faut-il qu'on leur rappelle ce que l'extrême droite pense de la culture? Point d'interrogation. Et là, en gros, ben, elle prend la parole en demandant justement aux personnalités de justement prendre la parole sur les réseaux. Et juste après, on a également Dossé qui a laissé un message qui dit « Le fait que j'ai sûrement des électeurs du RN dans mon public m'empêche de dormir paisiblement. » Et c'est une sorte de réaction par rapport à justement les élections. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a également Jinder Bigo qui a passé un message par rapport à ce qui se passe et par rapport aux élections. Et on peut voir qu'en gros, ben, il était assez tendu, tu vois, puisqu'il a reçu pas mal de messages en privé qui lui demandaient justement de prendre la parole. Donc il l'a pris directement en vidéo. Donc, ben, tenez, regardez. J'aurais besoin de clarifier mes positions sur ces sujets-là, mais au vu des messages, vous me faites mal au cœur carrément qu'il y ait des gens qui puissent écouter mes textes et qui puissent... Ah, vous me faites mal au cœur. Mais bref, je vais vous faire un petit message histoire que ce soit clair entre nous tous. Comme ça, on s'est compris, il n'y a plus d'incompréhension possible entre nous. Si tu votes pour l'extrême droite, nique ta mère. Ensuite, on a également Booba qui a réagi par rapport aux élections. Et il a partagé une vidéo de Yacine Bellatar qui a justement pris la parole, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit, très instructif. Et il a mis une cible avec un drapeau pirate. Et en gros, ben, il a validé cette vidéo. Donc, regardez. Ça a fini par arriver. On sait dorénavant qu'il y a un lien entre l'extrême droite et Vincent Bolloré, puisque Éric Ciotti est allé demander l'approbation de son geste et de sa fusion avec le RN à Vincent Bolloré. Donc ce message, c'est pas pour Vincent Bolloré, évidemment, mais c'est pour ceux qui l'emploient et que je connais. Et je vous assure, vous devriez démissionner, parce que sinon, qui ne dit mot consent. Et c'est valable pour toi, Mouloud Achour, parce que, en fait, il faut donner ton nom. Donc ton émission, c'est pas clic, c'est quitte. Et mon cher Cyril, là maintenant, maintenant c'est plus possible. Voilà, je te le dis là, tu vois, je vais pas venir sur ton plateau, mais je te le dis ici là, c'est plus possible. Là, tu joues avec l'avenir de nos gosses et il n'y a plus de frérot. Là, il n'y a plus de frérot. Moi, je préfère faire le Bataclan samedi avec mes valeurs que de me retrouver dans un système. Même les autres humoristes, ne vendez plus votre spectacle à Canal+. C'est l'argent de Pascal Pro qui vous l'achète. Est-ce que vous comprenez ça? Dorénavant, les choses elles vont être claires. On tolérait parce qu'on pensait qu'il y avait quand même un cordon sanitaire pour ne pas faire de la politique. Dorénavant, on sait que ce groupe média a un projet éminemment politique. Donc arrêtez la coulitude. Je te le dis pour toi aussi, Franck Gastambide.
validé 1, validé 7, validé 8, là t'es pas validé mon ami. Arrête de prendre une culture comme la nôtre pour la donner à quelqu'un qui finance l'extrême droite de l'autre côté. Là vraiment je pète un câble de savoir qu'Éric Ciotti est allé voir Vincent Bolloré avant. C'est vraiment la preuve que dorénavant on doit agir. Voilà, nique sa mère le cinéma, on n'en fera jamais de toute manière. Là aussi j'ai oublié de vous dire, j'aime le foot, j'aime tellement le foot, j'aime tellement l'équipe de France. Mais Kylian Mbappé, t'es le capitaine de l'équipe de quelle France? Est-ce que tu accepterais l'idée que si tu gagnais l'euro là prochainement, ça soit un membre du FN qui te donne la coupe? Est-ce que tu accepterais d'être félicité par l'extrême droite? Toi qui aimes tant les États-Unis, Kylian, et tous les autres là, il serait peut-être temps à un moment de vous positionner aussi comme des sportifs engagés. Donc on ne reçoit pas de trophée de la part de l'extrême droite. Voilà les amis. Malgré vos sponsors avec Schweppes, McDonald's ou je ne sais quoi, à un moment les amis, vous portez aussi l'histoire de vos parents. Et il est hors de question que sur cette séquence, on ne vous entende pas. Barack Obama, est-ce que tu crois qu'on ne va pas attendre que tu réagisses? Est-ce que tu n'es pas porteur d'une histoire, Barack Obama? Hein? On ne t'entend pas là-dessus. Ensuite, on a Rof qui a répondu à une série de questions sur Instagram. Et c'est des questions par rapport à la Mafia Kafri, les haters, son album Fitna qui arrive le 21 juin, et plusieurs choses. Donc là, ben, il y a une personne qui lui a dit « Pourquoi tu n'as pas parlé de tes relations avec la Mafia Kafri ?» Et juste en dessous, on ne peut pas lire puisque ben, c'est caché par le son de Rof, puisqu'il a mis le lien, tu vois. Et il a répondu « Parce que la Mafia Kafri est trop éteinte pour en parler. Ça remonte à 25 ans, frère. J'en ai assez dit. Faut avancer maintenant. » C'est Kafri Connexion avec Dry, AP du 113 et Chilpé. Et juste après, une personne qui a dit « Cardio, ça va être légendaire. » Et il a répondu « Minuit, heure du crime, ça va péter les gars. » Et en gros, ben, c'est une cover d'un son de Rof qui arrive ce soir à minuit. Et c'est un extrait de l'album Fitna qui sort le 21 juin. Et juste après, une personne qui a dit « Est-ce ton dernier album ?» Point d'interrogation. Tu finis le son en disant que t'es plus heureux loin de ce game. Et il a répondu « C'est peut-être mon dernier album. Après, je sortirai que des sons et je ferai que des concerts. » Et juste après, une personne qui a dit « Pourquoi pas avoir fité avec les artistes tendance qui te sollicitent Maes, Koba, Kalash Criminel, etc. » Et il a répondu « Aucun d'eux ne m'a sollicité. Sur Grand Monsieur, j'ai ramené des nouvelles générations. Et là, je voulais faire un album de OG, plus avec des mecs de ma génération. Le rap n'a pas d'âge. C'est difficile de faire des titres avec les plus jeunes qui ont 20 ans de moins. On raconte plus du tout les mêmes choses. » Et c'est normal. Et juste après, une personne qui a dit « La team Rof réclame une interview, l'interview du peuple. » Et il a répondu « Lol, reste pas à la terre. Mais moins on me voit, mieux je me porte les gars. Et puis vous savez déjà tout, marre de se répéter. » Et juste après, une personne qui a dit « Que penses-tu de la politique et de ce qui se passe en ce moment ?» Et on peut voir qu'il a dit « On redoute ce tournant politique depuis le début, de Jean-Marie. On y est. Macron est stratège, mais pas plus qu'on veut nous faire croire. Il vaut pas mieux. » L'avenir s'annonce extrêmement sombre avec le RN. Les immigrés comme les Français du sol vont baver comme les Indiens. Ça va péter. Faut penser à vos familles, anticiper, faire le choix de partir ou se rendre aux urnes. La France d'avant, c'est fini. Hashtag Opération 11. Et juste après, une personne qui a dit « Pourquoi l'avoir choisi de l'envoyer comme dernier extrait ?» Et on peut voir qu'il a répondu « Parce qu'il méritait de sortir en single comme Dounia. C'était le bon moment. Faut l'écouter plusieurs fois pour tout comprendre. Il fait le taf en attendant l'album le 21 juin. » Et juste après, une personne qui a dit « Moi, si j'aime pas, j'écoute pas. À croire que Fitna leur a fait si mal que ça. » Et là, il fait référence au son ben, qui dure 13 minutes. Et on peut voir que Rof, il a dit « Fitna fait trop d'ombre et crée trop d'insécurité chez mes jaloux haters. Ils le vivent très mal, comme un déni de viol auditif. Ça me fait rire. Pourtant, je les regarde pas. Je m'en fous de leur musique, de leur réac de Pekno, sous coke, qui ont grandi sous Tokyo Hotel, qu'ils écoutent leurs fraudes et rappeurs fictifs efféminés. Je rappe pas du tout pour eux. Mais bon, critiquer les grosses performances de Rof leur fait un peu de buzz. » Et il a mis un emoji, c'est un point de force. Et là, en gros, ben, il me semble qu'il fait référence à Amine et Hugo, qui ont réagi justement au son Fitna. Et juste après, on peut voir que ben, y a une personne qui a dit « Salam Hous, à ton avis, pourquoi des haters prennent le temps de t'écouter s'ils valident pas ?» Et on peut voir qu'il a dit « C'est comme la drogue dure, beaucoup valident pas, mais on consomme quand même. Les bisounours du net se plaisent à avoir tourné au ridicule tout ce que je fais, par complexe de carrière et de street cred. Je les fascine. On ne critique que plus fort que soi. Il n'y a qu'un long feu qu'on s'efforce d'éteindre. Ils mangent les fruits en cachette, mais détestent l'arbre. » Et il a mis un point de force. Et juste après, une personne qui a dit « Est-ce que tu te rends compte que tu as limite fermé le livre du rap avec le titre Fitna ?»
Et on peut voir qu'il a répondu. J'ai pas cette prétention, mais j'ai le sentiment d'avoir réalisé mon plus gros éponyme à 46 ans, quand je suis censé être finito. Et juste après, une personne qui a dit. J'ai oublié de citer Demo One, Cafri Connexion, il y aurait un projet commun? Et il a répondu. Je l'avais écrit pourtant. Et oui, le frérot Demo One et Cafri Connexion 9-4. Un projet, EP, je suis pour. Donc en gros, ben là, il serait pour faire un projet commun directement avec Dry, AP du 113, Chilpé et Demo One. Et juste après, une personne qui a dit « Pourquoi les autres rappeurs partagent pas ce son, à ton avis ?» Et il a répondu « On donne pas la force à celui qui en a trop, ou plus, on s'unit contre lui. J'ai l'habitude, frère. Ça a commencé par la mafia Cafri. Hashtag Fitna. » Et juste après, une personne qui a dit « Un Bouska Fitna de prévu, pour l'album ou pas ?» Big up le grand H. Hashtag Fitna, 21 juin. Et il a répondu « Ils ont eu besoin de moi à leur début, mais tu connais, Alzheimer. » J'ai pas besoin d'eux, ils parlent de fitna ou pas, c'est pareil. Et juste après, il a laissé un message par rapport aux élections. Il a dit, faut aller voter, ça arrange Macron et le RN qu'on vote pas. On peut plus ignorer, il n'y a plus le choix. On n'aime pas la politique, etc. J'ai confiance en aucun. Mais là, c'est un tournant historique, les petits frères et sœurs. Préparez-vous à aller voter. Sinon, vos familles vont se faire maltraiter impunément. Le racisme décomplexé vous fera du sale. C'est une sale époque qui vous attend. Réveillez-vous, allez voter, renseignez-vous vite. Et en gros, ben, il appelle justement ses fans à aller voter, tu vois. Et c'est vraiment important, faut aller voter. Donc ouais, je le répète. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Mais ça tout petit, je voulais faire comme les grands. J'ai capté que ma vie était chaude, donc je devais pas faire le con. Mais comme toi, frère, j'avais les crocs. On a bossé en métro des nuits à détailler les rangs. Des vues si cramées dans les coins qui vont te faire connaître les barreaux. Donc voilà l'équipe, je vais pas te faire de longue intro, je vais juste te demander si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé, puis comme ça bah, je pourrai directement en parler en vidéo. Et sinon bah, je te dis à soir pour une même prochaine une vidéo et une nouvelle exclue. J'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus comme d'habitude, c'est une petite intro que tu verras en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Enfin bref l'équipe, c'est le game. On a préparé les bagages. Quand j'ai besoin de toi t'es pas là. Poto nous on est pas net. J'suis dans les jazz cramés. J'suis là pour le dépannage. Elle me parle de lune de miel. La cape dans les toilettes. Tu montres qu'on en est pas là. Hier il avait de la valeur. Là il perd sa plus-value. Là tu veux que son malheur. Masqué comme un balas. À la sortie du gala. J'sais que j'aime le faire ce gala. J'sais qu'elle dirait pas non. Elle a des longs talons. Elle aime les nonchalants. Elle a un beau prénom, elle a des yeux entraînants, mais un regard de traînée. J'ai pas un dans les poches, me balade chez les riches, mon regard les a brusqués. Puis, quand on y va, toi tu restes, on a le goût du risque. Mais toi t'es qu'un assisté, qui veut prouver une jolie cis, kiss, kiss. Puisqu'il est accompagné d'une miss, mais j'accepterai plus ses excuses. Kiss, casse, kiss, brise, notre amitié elle est fichue. Un joint de cannabis, rappelle-toi qu'à la base on a les poumons d'alabas.